Des enfants comme vous. Avant-hier, c'était le Kobolo. Hier, c'était les placements. Aujourd'hui, les seins à l'air, les danses obscènes. Où se situe la jeunesse gabonaise? Hier, nous nous posions la question de savoir qui pour répondre. Qui est responsable de cette situation? Jeunesse gabonaise, qui es-tu? À quoi aspires-tu? Où vas-tu? Comment imagines-tu demain? Est-ce que la famille, la société, l'État ne t'écoutent pas assez? Que souhaites-tu pour que ton avenir soit écrit en lettres d'or et que ton parcours ne soit pas parsemé d'arrestations, de prisons, de rejets, d'abandon? Jeunesse gabonaise, que cherches-tu? Par ces comportements, que veux-tu démontrer? Est-ce que la bonne façon d'attirer l'attention sur toi, sur tes envies, sur tes problèmes, c'est celle-là? Braquer, voler, tricher, blesser, violer, tuer, dénuder, sont-ils les seuls moyens d'expression dont tu disposes? Que penses-tu par exemple de l'école, du travail, de ta vie tout simplement? Sais-tu seulement ce que tes actes d'aujourd'hui produiront comme fruit demain? Savez-vous, jeunes Gabonais, qu'à l'heure du numérique, rien ne se perd mais tout se transforme? Mesurez-vous seulement l'impact de vos actes sur vos parents, sur votre entourage, sur la société gabonaise? Lorsqu'on est jeune, l'on se permet tout, l'on s'essaie à tout, l'on veut ressembler aux autres, l'on veut faire comme les autres. Mais est-ce que toi, jeune Gabonais, tu es cet autre? Est-ce que tu es obligé de faire comme cet autre? Est-ce que tu es obligé de relever ces défis inutiles qui t'éloignent de la voie autorisée? Est-ce que tu es obligé de faire comme sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu ne peux pas, jeune Gabonais, être tout simplement toi et vivre ta vie avec le peu que te donne ta famille et la société et fabriquer avec ce peu l'adulte responsable et digne qui sera un modèle pour les générations futures? Jeune Gabonais, prends la mesure, car demain t'appartient. C'est encore possible. Parle à la société, elle t'écoutera. C'est le moment.